Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2021, pour vous, pour vos proches, pour vos familles. Une année 2021 qui doit être placée, je l'espère, sous un signe évidemment beaucoup plus positif que celui de l'année 2020 qui a été très difficile, compliqué, sur lequel il a fallu essayer de répondre en permanence à des difficultés qui ne restaient pas de s'empiler. 2021, on va le faire avec un cadre rénové et on doit s'en réjouir. Un cadre rénové parce que nous avons une nouvelle loi organique qui va permettre au CESE de jouer un rôle accru. On aura une responsabilité particulière aussi à jouer, évidemment, dans cette crise sanitaire où on est sollicité pour accompagner la campagne de vaccination et on répondra une nouvelle fois présent. On devra aussi assurer la transmission à la prochaine mandature de la meilleure des façons et je suis sûr que chacun aura évidemment le sens de la responsabilité pour faire en sorte que cette transmission se réalise du mieux possible. Beaucoup donc de challenges nous attendent, beaucoup de travaux à conclure, beaucoup de choses à faire et je suis certain que comme on a su le faire tout au long des 5 dernières années, nous allons pouvoir répondre présent de façon, je dirais, la plus efficace possible. Et je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux pour cette année 2021.